Salut les filles. Alors, j'avais envie de bronze, enfin doré bronze et vert, une fois de plus. On pourrait appeler ça un maquillage de sapin de Noël, hein, avec les ongles rouges à côté, c'est parfait. Tout, donc voilà, je trouve ça très joli ensemble. Et nous allons voir comment faire ça. Alors, d'abord j'ai mis un petit peu de paint pot, de soft ochre paint pot. Pour que ça tienne, que ça se voit. Mais alors pour pas m'emmerder avec l'estompage, parce que sur estomper sur du paint pot c'est un peu la plaie, je vais juste jusqu'au pli, pas plus haut. C'est surtout pour ce qu'il y a sur la paupière mobile, se voit vraiment bien. Ce qu'il y a au-dessus, je veux pouvoir l'estomper quoi, avant tout. Voilà. Ensuite je prends un pinceau plat, 242. Ma palette Lancôme dans la collection Indigo, mais c'est l'autre. Enfin, l'autre, c'est celle où il n'y a pas d'indigo. Et je vais prendre, en fait, je vais me servir de ces deux fards-là. Je vais prendre le bronze pour la paupière et ça, ce sera mon highlighter. Alors, il faut en mettre pas mal du bronze, j'ai remarqué, pour qu'il se voit. Et je vais en mettre partout, 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 partout. Je vais vraiment faire un maquillage facile et pas emmerdant. Donc, je vais pas m'embêter à juxtaposer des couleurs ou quoi. Je vais tout foutre les unes sur les autres. Clac, clac, clac. Faut mettre beaucoup pour que ce soit. J'aurais peut-être dû le mettre sur autre chose qu'un paint pot en fait. Ça aurait peut-être été plus joli sur la Too Faced. It is probably a mistake. Pas très grave. Et vous voyez, je suis exactement la forme du sourcil en fait ici. En fait, je suis vachement trop bas et vous voyez rien depuis 10 minutes. Youpi. Je fais un petit peu mon rat de cils. Touc, touc, touc. Je fais les deux tiers hein, avec une couleur claire, comme ça on peut se permettre sans problème. Et du coup, ça me donne la limite du maquillage supérieur. Vous voyez, clac, c'est-à-dire que je peux aller jusque-là. J'en mets, j'en mets, j'en mets, j'en mets, j'en mets, pour que ce soit joli. Voilà. Belle couleur. Ensuite, je prends un gros estompeur que j'essuie un peu dans un Kleenex parce que j'ai fait d'autres trucs avec de l'autre côté. J'ai l'air encore malade, hein. Bah oui, je le suis, figurez-vous. 8 jours d'antibio et de cortisone, toujours pareil, super. En plus, j'ai pas dormi cette nuit comme d'habitude, donc forcément, je suis complètement à la ramasse. Mais ça ne se voit pas grâce à mon joli blush, youpi. Et un fond de teint Clarins, c'est le fond de teint Lisse Minute là. Alors, la texture est totalement dingue, là, j'ai que ça, j'ai pas du tout de poudre nulle part, enfin, à part autour des yeux. Et la texture est hallucinante. C'est assez génial. Et ben pourtant il n'y a pas de paint pot à cet endroit-là, mais alors c'est pas facile à blender. Hein. Ouhouhou. Ça veut pas. M'adouer, ça veut pas. Je vais le blender avec l'autre, avec le plus clair. Comme ça, il va obéir. Witch! Et voilà. Magique. Magie, magie. J'ai pas maquillé mes sourcils aujourd'hui, j'avais pas envie. Toc toc, on est là. Oh. Et ensuite. Alors. Attends. Voilà, donc je suis désolée, c'est Emma, donc elle est complètement en transe avec Noël. J'ai eu beau lui expliquer qu'on le fêterait dans le 15e arrondissement et pas du tout à la montagne, elle est complètement au taquet, elle a été acheter un sapin, machin et tout, on peut plus la tenir. Donc voilà. Bon, tu me laisses un petit peu travailler, chouchou, hein, à plus tard. Alors, ensuite donc du vert. Donc j'ai pris du humide qui s'est révélé pas complètement assez foncé. Donc j'ai rajouté du plumage dedans. Je vous les montre tout de suite. Le humide est là, le plumage est là. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez là? Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Celui-là a beaucoup plus de jaune dedans, celui-là a du bleu, mais finalement ça va ensemble. Hein. Une fois tout patouillé ensemble, ça marche. Je prends ça avec mon pinceau 14S, Makeup Forever, parce que je l'aime beaucoup pour faire les coins. Et donc je mets du humide, comme tout, comme je fais toujours hein, finalement. Comme ça, pof. Je fonce le coin, quoi. Tout, 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 tout. Si vous devez choisir entre une forme à donner au truc, c'est un peu, comment dire, vous voyez? Ça fait un peu comme ça. Ça part comme ça, il reste un petit peu de clair en dessous. Enfin bon, c'est incompréhensible hein, ce que je raconte. Je sais, c'est Emma qui va perturber. Toc.
On fait un petit peu en dessous, tant qu'on y est. Avec le même pinceau, hein, on va pas s'emmerder, on prend un autre. Tout, 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 tout. Voilà, c'est trop large. Hop. Pas aller trop loin quand même, du calme. Putain, c'est là que ça auto-tâche. Et ensuite, je vais prendre directement un peu de plumage à mettre par-dessus pour donner un peu plus de profondeur au truc. Donc vous allez venir me voir après dans les commentaires en me disant « Mais ça manque d'intensité ton truc !» Vous n'aurez pas complètement tort. Ça manque un petit peu d'intensité. Mais c'est joli quand même. Bon, on va blender ça parce que là, ça ressemble pas à grand-chose. Alors j'y vais carrément. Je blende dessus, dedans, partout. Faut que ce soit simple. Hein. Que ce soit simple et que ça aille vite. Pendant ce temps, il y a Emma qui est sous le sapin, essaye d'ouvrir les cadeaux de tout le monde. On n'a pas que ça à foutre. Hein. Ah oui, parce que... Comme tous les enfants, c'est ça quoi, elle essaye d'ouvrir les cadeaux des autres, c'est super chiant, on a beau lui expliquer qu'il faut attendre un peu, elle fait des crises de nerfs après, c'est chiant. Ça m'a l'air presque pareil, c'est pas si mal. Théon, un coup dans le miroir. Hop, oui on peut blender par-dessus, hein, ça marche, regardez. Alors je fais dans la lumière pour voir ce que ça donne. Parce que comme c'est des phares grisés, le reflet de la lumière dessus les change un peu. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, donc le 266, que je vais mouiller pour faire un trait de liner au plumage. Je le mouille en pichetant de l'eau dessus contre mon gant. J'en ai mis partout. Contre mon gant de toilette humide que je garde toujours avec moi quand je me maquille pour m'essuyer les mains, faire ce genre de trucs. Et donc j'en prends un petit peu dans le plumage en restant, dans un coin, enfin dans une partie du phare seulement pour pas, parce que ça abîme un peu les phares à force de les mouiller. Donc pour pas tout saloper, je réserve une partie du phare à cet usage. Toc. C'est assez sympa finalement, plumage et bronze, ça marche. Je pensais que l'absence totale de couleur chaude dans le plumage ferait que ce serait un problème, mais en fait non. Plutôt sympa. Ok. Ensuite, je vais mettre un petit coup de colle. J'ai hésité, puis je me suis dit, je vous montre où on en est. En fait, ça manque un petit peu d'un truc là, donc j'ai pris le crayon, le colle MAC, qui s'appelle Tarnish. Il est vert. Hop. J'en mets partout, en allant un peu dans... Merde. Un peu dans les cils, qu'il n'y ait pas de blanc du tout, même au ras des cils, quoi. Voilà, et du mascara, and we'll be good to go. Où est-ce que j'ai mis mon mascara? Oui, là. Excusez-moi, je suis complètement à la ramasse, en fait j'ai dormi 4 heures cette nuit, donc... Je sais à peine comment je m'appelle. Donc ouais, Smoky Lash, hein, finalement, le mascara qui fait pousser les cils, je suis pas du tout convaincue par le résultat visuel, et du coup, ben tant pis, je ferai pas pousser mes cils. Mais j'ai des taches partout, ça rase, c'est lamentable. Ça fait une jolie pupille, hein, quand on a une jolie pupille, un joli iris, hein, quand on a les yeux marrons, ce genre de couleur. Vachement flatteur. Hop, hop, hop. Oh là là, il est quand même tellement top ce maquillage, qu'est-ce que je l'aime. Et alors mon petit baume Vimat Kai, là, pour les lèvres. Il est dément. J'ai l'impression que j'en ai jamais eu de meilleur. J'ai l'impression qu'il est même mieux que le Nuxe. J'hallucine complètement. Il fait une bouche de bébé, quoi. Il est hallucinant. Et alors j'en mets, il tient des heures, enfin... Vraiment top. Hop, j'enlève mes petites taches. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de gloss. Je vais mettre mon Queen Bee avec ça. Ça me paraît bien. Si j'arrive à pas le jeter à l'autre bout de la pièce, je t'accepte de travailler un peu pour une fois. Oui, très bien, Queen Bee. J'adore ce gloss.
Voilà. Noël, Noël, tu vas venir bientôt. La prochaine fois, je vous ferai un smoky noir ou un truc avec des paillettes rouges ou Dieu sait quoi, quoi. On va continuer comme ça. Ouh, j'aime bien ces couleurs, regardez comme c'est joli. Oh, c'est ravissant, ça me plaît vachement. À bientôt les filles, ciao.